Allez les amis, je vous passe un dernier petit son. Là, c'est un petit son d'électro. Dance électro même. Et après, on passera à peut-être la présentation des Paradigmes Studio 100 V2 que je vais essayer de faire vu que j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Donc, j'aimerais vous en profiter pour faire le maximum. Donc, petit morceau d'électro, les gars. Allez, on balance. Tac. You won't believe we've had our break. But somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no, oh no. Morceau d'électro, donc je l'ai mis sur mon préampli, hein. J'ai réglé un petit peu les basses au quart et du coup t'avais un petit grave qui était un petit peu plus moelleux quoi, plus sympathique tu vois, mais dans tous les cas tu peux très bien te faire ta propre égalisation, tu te fais une égalisation paramétrique, enfin voilà, tu peux jouer comme tu veux avec la hi-fi, hein. Moi j'écoute tout au naturel pour voilà, pour rester dans la, tu vois, dans la droiture, mais des fois, ouais, si j'ai envie de me faire péter une petite égalisation personnelle, parce que des fois je me fais ma propre égalisation sur un logiciel, je me fais ma petite égalisation. Voilà, tu sais, on écoute tranquille quand j'ai envie d'écouter un bon gros rap US ou même de l'électro, tu vois. Enfin, voilà, c'est vraiment histoire de se faire plaisir de temps en temps, voilà, sans penser à la, tu vois, comment dire, à la non-coloration du son. Voilà. Mais tu peux te faire plaisir comme tu veux. Hein. Ça, je veux dire, il n'y a pas de limite dans la hi-fi. C'est toi et tes oreilles. Quand tu es solo, de toute façon, voilà, tu peux te faire plaisir. Après, quand tu fais une vidéo pour tout le monde, comme je fais, forcément, il faut que ça reste neutre. Voilà, les gars. Bon. Et ben, je crois qu'on va passer au paradigme. Hein. Elles nous regardent, là. Elles attendent que ça. Donc, on va passer au paradigme. Il va falloir que je les installe, tout ça. Et puis voilà, j'espère que ces petites écoutes avec les XPL200 vous ont plu. Et puis après, une petite vidéo de Hi-Fi Nature, tu sais que je vais me faire encore. Je vais les transbaïter dehors. Enfin, une seule, parce qu'elles sont quand même
à fond leur poids. Et tu sais que ça fait du sport hein, de soulever toutes ces enceintes. Ça fait du sport. Et encore, je voudrais en emmener. T'imagines que les paradigmes, je t'en parlerai tout à l'heure, mais bon, voilà, celles-ci, les XPEL, tu vois, j'aimerais bien les mettre dans un endroit qui soit vraiment, on va dire, j'aimerais bien dans une genre de forêt, tu vois, en forêt vraiment pour que ça représente bien le bois, la force des enceintes dans cette certaine philosophie que j'ai. Et voilà, mais bon, ça va être compliqué. Il faudrait que je les emmène en montagne, je pense en montagne, ça aurait pu être pas mal. Faire des photos de là-haut et tout, tu vois. Mais bon, on va se contenter du jardin pour le moment. Et on verra plus tard, t'inquiète pas, dans ma tête, il y a des trucs qui sont. Je suis en train de me voir en train de faire des photos dans des endroits, si tu savais, mon pauvre. Mais bon, en tout cas, le hashtag Ifi Nature, il est là, et je peux te dire que. Ben, depuis que je l'ai mis en place, chaque fois que je te fais des photos en pleine nature, je kiffe. Et j'espère que vous kiffez aussi quand je vous fais les petites vidéos. Bah, apparemment, ça vous plaît de voir un petit peu les. Bah, comme ça, tu vois les enceintes vraiment dehors. En plus, il fait super. Là, il y a une belle clarté, voilà. Et puis, l'environnement, il s'y prête, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Donc, voilà, les gars. Allez, c'est parti. On va passer maintenant au paradigme. Et puis, bah, à tout de suite. À tout de suite.